Donc bonjour, ici Olivier Roland, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me trouve actuellement avec Romain Collignon. Salut Romain. Salut Olivier. Salut, j'ai voulu venir te voir là à Paris parce que tu as eu des résultats géniaux avec des webinars. Mm-hmm. Et je voulais qu'on en parle. Je te présente rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas. Donc tu es l'auteur du blog Décodeur du non-verbal. Mm-hmm. Voilà, et donc tu es spécialisé dans tout ce qui est langage du corps. Et tu t'es inscrit à Webinar Pro, c'était fin 2013. 13, ouais. Et tu m'as dit, bon, très rapidement, je crois, en un mois ou deux, tu as fait ton deux premier semaines, webinar. Je crois même. En deux semaines, ouais, waouh, ouais. Wow, ouais. Tu as fait ton premier webinar et tu as eu quelque chose comme 10 000 ou 12 000 euros de vente. 10 000, ouais, ouais, 10 000. Donc, waouh, je trouvais ça génial. Je voulais qu'on étudie un petit peu comment ça se fait que tu as eu autant de succès pour que ceux qui nous regardent puissent en faire autant. Alors, déjà, est-ce que tu peux nous dire, avant de t'inscrire à Webinar Pro, ouais. Donc, tu as ton blog Décodeur du non-verbal, tu gagnes déjà de l'argent. Mm-hmm. D'ailleurs, tu es aussi membre de la formation Blogueur Pro. Mm-hmm. Comment tu as fait ton business avant? Quelle était ta méthode de vente? La méthode de vente, c'était essentiellement du lancement. Alors, oui. Du lancement interne sur ma liste ou du lancement orchestré avec des partenaires qui promeuvent aussi la formation et le lancement. Oui. Et ça, c'est génial comme technique de vente parce que ça permet de vendre énormément en très peu de temps. Après, il y a aussi des moments où vendre, si on veut vendre rapidement avec moins de travail, il y a des techniques alternatives qui sont plus faciles à mettre en place. Et au final, le webinar, c'est un petit peu ça. Oui. C'est une méthode de vente qui est déjà très proche du client, du prospect, parce qu'on a une certaine interaction. Un webinar, c'est une conférence en ligne où on va parler d'un sujet et à la fin, on va vendre aux personnes à qui ça, qui portent un intérêt pour le sujet, une formation. Oui. Et finalement, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus facile à mettre en place, c'est beaucoup moins de travail. Sachant que j'ai utilisé les webinaires dans un cas bien particulier qui est de vendre un produit d'information qui n'est pas encore créé. Voilà, donc ça c'est une des facilités de la méthode. Exactement. Enfin, on va dire ça c'est plutôt un des avantages de la méthode, c'est qu'on peut vendre en précommande des produits. Voilà. Ok, bah donc effectivement le lancement orchestré dont on a parlé c'est très puissant, ouais. Mais ça demande énormément de travail et clairement on ne fait pas un lancement orchestré si on n'est pas sûr à 100% c'est... que le produit va se vendre. Exactement. Parce qu'on peut, sinon on peut travailler pendant des mois pour rien. Ouais. Alors le webinar, donc tu t'inscris à Webinar Pro, ouais. Et là tu t'es dit je vais en profiter pour tester un concept de produit. Exactement. Quel était ce concept? Alors c'était, en faisant que le langage corporel, on peut le décoder dans différents domaines de la vie, que ce soit des commerciaux qui utilisent en vente avec leurs prospects, que ce soit des médecins, le corps médical avec leurs patients pour mieux comprendre ce qu'ils ont, mais aussi la gestuelle de séduction, c'est quelque chose qui est très important justement pour savoir si une femme est intéressée par un homme, si un homme est intéressé par une femme. Donc j'avais ce concept-là en tête et je me suis dit, ok, j'ai envie de lancer une formation sur le sujet, mais est-ce que déjà ça va se vendre? Est-ce que ça va accrocher? Est-ce que ça va plaire? Et c'est une question que tous les entrepreneurs se posent à un moment quand ils créent leur produit. Ouais, exactement. Et c'est vrai que de l'expérience du lancement avant, qui est quelque chose qui prend beaucoup de temps et qui est certes efficace, et bien le fait de le faire en webinaire, c'est une façon en deux semaines, vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure, de voir si ça prend en fait, si l'idée prend et si on peut déjà acquérir des clients. Et c'est exactement ce que j'ai fait, c'est que j'ai suivi Webinar Pro à la lettre avec le structure ICOV, ce genre de choses. Et effectivement, sur ce premier produit, donc l'année dernière, sur la gestuelle de séduction, on a fait 10 000 euros de vente sur un produit qui n'existait pas. Une semaine, qui n'existait pas. J'avais commencé à le créer quand même, histoire que les personnes qui rentrent dans la formation puissent voir au moins un cours. Ouais. Voilà, exactement. Puis j'ai continué à le créer dans les semaines qui suivaient. Donc c'était une belle preuve de concept. Donc ce qui est assez génial, c'est de faire des ventes avant de créer le produit, ce qui donne quand même une certaine motivation. Puis justement, être sûr de ne pas faire un produit tout seul dans son coin. Qui finalement ne se vend pas et qui n'accroche pas. Alors voilà, là on a vraiment un excellent exemple, un webinar, voilà, ça permet de tester si oui ou non, et quand j'y testais, c'est pas un test théorique avec une enquête ou quelque chose comme ça, c'est de voir vraiment si oui, concrètement, votre produit se vend sur votre marché ou pas, si des gens l'achètent. Et en fait, c'est ce qu'a fait Romain, donc tu as en fait, t'as présenté, t'as fait un séminaire en gros en ligne sur comment aider les gens à mieux décoder le langage du corps, notamment par la séduction. Ouais. Et d'ailleurs, t'as dit, hey, au fait, si ça vous intéresse, je suis en train de mettre en place une nouvelle formation, voilà le programme. Ouais. Tu leur as dit, c'est pas encore terminé, mais vous pouvez vous inscrire maintenant. Tu leur as sans doute offert une petite promotion pour eux. Alors, je sais plus ce que j'avais fait à l'époque, ça fait déjà un an, mais ouais, il y avait eu. Pour les remercier d'être des pionniers. Quoi. Voilà, puis un espèce d'élément de rareté, effectivement, pour rentrer dans la formation. Ouais. Voilà, et donc c'est complètement éthique et transparent. Les gens qui n'achètent pas, ils ont quand même de la valeur qui retire du webinar parce qu'il y a des conseils concrets que tu as donnés. Et ceux qui s'inscrivent, ils s'inscrivent en tant que pionniers, ils n'ont pas accès à tout immédiatement, mais ils ont un bonus, une promotion en échange. Et puis surtout, ils peuvent t'aider à créer le produit avec toi, ouais, à te dire tout ce qui ne va pas, etc. C'est ça qui est génial, justement. Waouh. Et donc, ce qui est génial, et c'est ça qui est extraordinaire,
Tu fais ce webinar. Combien de temps ça a demandé pour préparer ça? Ah, j'ai dit 2 semaines après l'inscription à Webinar Pro, donc je dirais pas 2 semaines parce que je faisais plein de choses à côté, mais je sais pas, une semaine, même pas, je peux pas te dire. C'est assez loin, mais en même temps c'était très rapide, en tout cas beaucoup plus rapide qu'un lancement qui peut prendre plusieurs semaines. J'ai l'impression que c'est du gros travail? Non. Ah, c'est... non. Moi, mon premier webinar, je l'ai fait en une journée, la présentation PowerPoint, ouais. Et puis. Après, c'est comme une conférence qu'on pourrait donner en présentiel devant des gens, sauf qu'on l'a fait derrière son ordinateur et. C'est plus safe. Ça peut être plus safe ou pas, des fois quand on voit pas les téléspectateurs. Mais non, c'est le même temps qu'une présentation à faire devant ses collègues ou devant des gens. Ouais. Waouh! Donc, tu fais ce webinar donc ça durait combien de temps? 2 heures? 3 heures? Ouais, non, moins, 2 heures au total. 2 heures? Après, il y a les questions-réponses, on essaye un petit peu de voir les attentes aussi des prospects, ce qu'ils veulent comme contenu. Ça donne aussi des idées pour la formation, pour rajouter certains éléments auxquels on n'aurait pas pensé. Ouais. Ça, c'est un des grands avantages. Ouais. Vous faites votre webinar en direct, vous avez les questions, les objections de votre audience en direct. Ouais. Vous pouvez adapter votre offre, non, vous le savez. Il y a un élément, je pense, qui est essentiel dans les webinars, c'est ce côté moment présent. Ce côté où une vraie interaction avec ses prospects, au final, on échange. Alors, c'est bien, il y a des gens qui pensent que c'est enregistré. Alors, quand il y a dans un commentaire, est-ce que c'est bien en direct? Oui, alors, parfois on a ça. C'est là où on a l'occasion de dire voilà, Thomas, voilà, Julie, c'est bien en direct, je te réponds. Donc, c'est assez marrant, des fois. Il y a quand même cette interaction qui fait que justement c'est dans le moment présent et je pense que c'est un des leviers qu'on a. On l'a dans le lancement, mais bon, il y a quand même certains éléments qui sont préparés un peu à l'avance. On a quand même les commentaires, là c'est vraiment en direct, live, et je pense que c'est un atout de vente avec le webinar. Ouais. Voilà, alors je pense que là Romain nous a fait vraiment un excellent résumé des principaux avantages et principales forces d'un webinar. Donc rapidité d'exécution, on peut vendre un produit avant même qu'il soit créé, on a l'interaction directe avec l'audience et les prospects, ce qui permet de voir les objections et tout ça. Et derrière, en plus, vous avez des premiers clients qui effectivement vont vous aider à améliorer le produit. Et comme tu le dis, c'est un excellent facteur de motivation parce que quand vous avez 10, 15, 20, 30, 50 clients qui ont payé, c'est fini la procrastination. Vous êtes là, c'est fini de dire ah bah non, je fais le cours demain. Non, il y a les gens, ils ont payé, ils attendent et vous n'avez pas envie de les décevoir. Donc, c'est vraiment un excellent facteur qui fait qu'on est beaucoup plus rapide et efficace pour créer les produits. Exactement. C'est aussi un autre avantage simplement, c'est que quand tu fais le webinar, ça te permet aussi d'avoir des éléments de, on va dire, commerciaux, des éléments de vente pour la suite si on veut faire un lancement. C'est vrai que quand on commence à faire un lancement directement, on connaît notre marché, mais on ne le connaît pas forcément si on fait un webinar avec beaucoup moins de travail avant. On sait comment parler à ses prospects, on sait leurs frustrations, on sait un petit peu les aspirations qu'ils ont et ça permet déjà d'avoir une trame pour le lancement d'après. Je trouve que c'est un excellent moyen si on veut vraiment cumuler tous les processus de vente. Pour moi, c'est le premier étage de la fusée pour après faire un lancement. Et même dans le lancement, reprendre le webinar pour faire des ventes supplémentaires. Exactement. Oui, ça c'est une bonne remarque aussi, je veux dire. C'est une excellente remarque, mec. C'est pas parce que le webinar ça fonctionne bien qu'il faut s'arrêter d'utiliser les autres choses qui fonctionnent bien. Oui, en l'occurrence, les lancements orchestrés ça marche très bien. Bon, certes, ça demande beaucoup de boulot, mais c'est extrêmement efficace. Mmh. Il faut utiliser les deux en combinaison. Alors voilà, d'abord webinar pour être sûr que le produit va se vendre, ensuite vous faites un lancement et pendant le lancement vous faites des webinars. Exactement. C'est la combinaison gagnante qui va vous permettre de maximiser en fait votre retour sur investissement par rapport à votre énergie et de maximiser vos ventes tout simplement. Ouais. Et aussi toucher un maximum de personnes qui vont être contentes de pouvoir profiter de vos produits. Et minimiser la prise de risque aussi au final. Exactement. Donc génial, waouh. Donc c'était ton premier webinar, donc je suppose que tu es content quand même de faire un tel chiffre d'affaires. C'est intéressant, c'est intéressant. Et alors qu'est-ce que tu as fait après Autour des webinars, donc après j'ai d'autres formations aussi en ligne. Notamment que je vendais en lancement orchestré, donc effectivement dans la période de vente, vous savez, dans lancement orchestré, il y a une semaine générale de vente avec ouverture, fermeture. C'est vrai qu'au milieu, voire une à deux fois, voire trois fois, on peut faire des webinaires pendant la période de vente, ce qui permet faire des ventes supplémentaires et justement de remettre de l'interaction avec ses prospects. Donc j'ai utilisé aussi dans ce cadre-là. Et très récemment, là, j'ai lancé une nouvelle formation qui s'appelle Impact Gagnant. Donc même principe avec cette fois-ci des clients. J'étais avec mes clients et j'avais une idée de produit sur justement, j'ai beaucoup travaillé avec mes clients pour l'instant sur le décodage de la gestuelle dans différents domaines, mais je me suis dit, on peut tellement avoir plus d'impact avec sa gestuelle, de charisme, d'influence, que ça vaudrait le coup de lancer une formation et j'ai appliqué la même méthode, sauf que j'ai appliqué avec mes clients, cette fois-ci non pas avec mes prospects, pour justement voir si l'idée marchait. Donc tu as fait un webinar juste pour tes clients? Juste pour mes clients, exactement. Et pourquoi tu as essayé de faire ça? Pour justement prendre la température sur est-ce que cette formation marche ou marcherait pas. Parce que là, j'avais vraiment rien créé. C'était juste, voilà avec mes clients, j'ai cette idée alors, qui est peut-être un peu farfelue ou j'en sais rien. Est-ce que ça vous plaît? Et au final, j'ai fait un webinaire comme ça, sans me dire je vais vendre derrière. J'avais quand même cette petite idée. Juste faire un sondage, est-ce que ça vous plairait?
et de m'envoyer un email à la fin du webinaire, est-ce que ça vous plairait? Et j'ai eu les deux tiers de mes clients qui étaient là, qui m'ont dit oui, je suis vachement intéressé, c'est quoi le programme, c'est combien? Donc à partir de ces deux questions-là, et que quand deux tiers de l'audience te demande ça, tu dis effectivement il y a moyen de créer quelque chose derrière. Et donc j'ai créé une nouvelle formation comme ça, et formation que je crée aussi en webinar. Alors ça, c'est encore un troisième élément du webinar, voilà. C'est qu'on peut créer des formations en live, en direct avec ses clients, en fait. Et je trouve que c'est génial. Ouais. Parce que voilà, donc effectivement, une des manières de créer une formation en ligne, c'est de faire une formation vidéo. Ouais. Il y a des tas de manières de le faire. Vous pouvez vous filmer devant un tableau blanc. Vous pouvez vous faire un PowerPoint et vous filmer en train de le commenter. Vous pouvez faire une mind map et la filmer. Ouais. Ou on peut faire ce que tu as fait, à savoir vous faites un webinar en direct. Vous préparez le PowerPoint, ouais. Vous faites le cours en direct devant vos premiers élèves, tout simplement. Vous répondez aux questions et après, ça devient un cours vidéo. Voilà. Que vous mettez dans votre formation. Et il y a l'avantage que ça booste déjà pour qu'on fasse ça en direct. Ouais. Et on a les questions des élèves, comme ça, si on a loupé un point, on sait qu'il sera couvert dans la formation. Ouais, on le met dans le module d'après, on le met le point. Ouais. Voilà, donc c'est vraiment très très intéressant, effectivement. Waouh! Ok, et donc quel était le résultat financier au final? Alors là, c'était sur une petite liste, hein, parce que c'était un segment de 488 personnes, et ça a fait 11 000 euros de chiffre d'affaires sur un segment de liste client. Waouh! Voilà. Alors est-ce que tu as décidé de faire un webinar après pour tout le monde? Alors justement, c'est vraiment les étages de la fusée. Donc là, c'était le webinar avec mes clients. Bientôt, il y aura le webinar avec, on va dire, les prospects, les gens qui me suivent. Et puis on va continuer sur un lancement interne, puis sur un lancement orchestré, et puis dans les lancements, il y aura encore des webinars. Donc effectivement, je pense que le webinar, c'est simplement un outil de vente qui est très adapté pour créer le produit, puis pour l'utiliser aussi dans la suite. Mais c'est vraiment le truc qui permet de valider une idée et d'y aller, en fait. Et dès qu'on a envie de faire des... Alors moi, je l'utilise pas encore comme ça, mais je sais qu'il y a des élèves de Webinar Pro qui l'utilisent comme ça, c'est faire des pics de vente, tout simplement. Hein, c'est se dire, on a déjà une formation qui tourne, on sait que ça se vend bien, hop, on veut faire un peu de chiffre d'affaires, on fait un webinar, quoi. Moi, je l'utilise pas comme ça, mais c'est vrai qu'il y a des élèves qui... Vous avez besoin de 10 000 euros pour quelque chose, je sais pas, vous voulez investir dans votre entreprise ou payer une formation ou même juste faire un voyage autour du monde, hop, un petit webinar et puis... Voilà. Bon, attention, hein, ça veut pas dire que automatiquement, si vous faites un webinar, c'est 10 000 euros. Il faut, voilà, vous avez compris, il faut que vous ayez touché une audience, que vous offriez un produit qui intéresse vraiment les gens, etc. Bon, puis il faut utiliser une bonne structure, on va en parler justement dans la suite de ces vidéos, la structure ICOB que j'enseigne, qui permet finalement d'être. Voilà, c'est une structure qui fait que ça vend, même si vous n'êtes pas bon en vente naturellement. Toi, est-ce que tu étais bon en vente en face à face? Face à face, non. Après, j'ai quelques notions, mais c'est vrai que la structure après, c'est. C'est on remplit les cases en fait avec son propre produit et voilà. Ouais, c'est juste une formule à suivre. Toi, tu l'as suivi, ça a été efficace. Il y a des résultats. Ouais. Est-ce qu'il y a une différence entre avant et après webinar? Est-ce que tu te voyais différemment ou tu voyais tes possibilités différemment avant de t'inscrire? Qu'est-ce que ça a changé? Est-ce que ça a changé déjà? C'est que ça, pour reprendre l'expression, ça m'a donné un coup de pied aux fesses pour utiliser ce genre d'outil parce que en fait, on le voit passer, on sait que ça existe, mais de là à s'y mettre. Il y a un pas, mais il faut le faire, hein. c'est un grand pas à faire. Et c'est ça qui a changé au final avec Webinar Pro, c'est que du coup, j'avais plus besoin de trop réfléchir à comment faire. J'ai suivi juste simplement la structure comme Blogger Pro, hein. c'est le même état d'esprit made in Olivier Roland. Quoi, mais c'est surtout ça qui a changé, c'est vraiment de me mettre à l'action et de le faire. Maintenant, c'est internalisé, je l'utilise dans les différentes séquences. Maintenant, je le mets toujours dans mes séquences de produits. Hein. C'est un élément de... Voilà, c'est une technique qui est vraiment naturelle pour toi et qui automatiquement augmente tes ventes, te rassure puisque tu sais que tu vas le plus se vendre, etc. Est-ce que tu penses que c'est un outil que tout entrepreneur devrait avoir dans sa trousse à outils? Ouais, je pense, ok, ouais, vu les résultats que tu as eu, tu peux pas dire le contraire. Okay. Ouais, bien sûr. Ouais. Moi, je pense sincèrement, et je dis pas ça parce que j'ai une formation seulement, mais vraiment, c'est un outil que tout entrepreneur devrait avoir. C'est tellement... Voilà, on a un étude de cas, je veux dire, Romain, il n'est pas là pour mentir, il n'a pas d'action dans mon entreprise. Il est là parce qu'il est content, il a utilisé la méthode, il est content. Ouais. Voilà, c'est vraiment simple à utiliser, c'est efficace, ça permet de voir dans le futur. Quel entrepreneur aujourd'hui peut voir dans le futur, aujourd'hui dans le monde? C'est extraordinaire. On peut savoir avant d'avoir créé un produit s'il va se vendre ou pas vraiment. Ouais. Et ça change tout au niveau de notre sérénité. Et ça évite qu'on passe 3 mois, 6 mois, 1 an à créer un produit dont personne ne veut. Imaginez le temps que ça peut vous faire économiser, l'énergie et même l'argent. Et aussi au niveau du moral, à quel point ça peut faire une différence dans votre vie. Peut-être que je vais juste rajouter sur ce que tu dis. Je pense que c'est intéressant cet outil pour les personnes qui ont peur de faire des grands lancements dès le départ ou qui veulent y aller petit à petit. C'est vraiment la première étape pour démarrer. Je trouve que c'est à la fois on est chez soi, derrière son ordinateur, et en même temps on fait des choses, on avance, on vend,
Et puis c'est pas mal pour la confiance en fait. C'est que ça permet de partir serein sur la suite. Donc c'est effectivement une méthode pour ceux qui sont un petit peu intimidés par un lancement. C'est vrai qu'un lancement c'est beaucoup de travail et qui veulent, voilà, très bien. Effectivement, j'aurais pas dit mieux. Voilà. Écoute, merci beaucoup Romain d'avoir partagé ton expérience parce qu'on a vu vraiment un aperçu complet de tout ce que ça peut apporter. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Recevoir gratuitement les vidéos qui vous expliquent la méthode Webinar Pro, vous cliquez sur le lien qui apparaît ici en bas de la vidéo, vous laissez votre prénom et votre email et je vous envoie immédiatement la première vidéo. C'est comme ça, c'est gratuit. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À demain pour la prochaine. Au revoir.